Allez, nous y sommes, salut tout le monde, c'est Eto, bienvenue dans cette nouvelle aventure qui débute sur la chaîne. Oui, aujourd'hui, on va encore découvrir un jeu de la légende, un jeu qui a été conseillé moult fois et qui m'a été dit genre « Tu verras, ce jeu-là, c'est le meilleur Metroid-like de l'univers, c'est le GOTY de Celdel sur 3 années d'affilée quand même. » Et ça, c'est balèze. Et le pire, c'est qu'en plus, si j'aime bien, bah bientôt, il y a le prochain qui sort, donc on sera bien. On va attaquer donc Hollow Knight Edition Cœur du Vide. Je joue actuellement donc sur Xbox puisqu'il est dans le Game Pass, j'en profite pour vous le dire. Et donc bah finalement un jeu qui a l'air assez long dans lequel on va pouvoir passer de nombreuses heures. Pour vous ça sera un petit peu la, on va dire la gâterie de Noël, c'est à dire qu'en fait là bah on va faire pas mal de live dessus et vous aurez toutes les VOD qui sortiront durant le mois de décembre, sachant que côté format, vu que c'est un jeu que vous connaissez déjà tous par cœur et qui est pas forcément extrêmement narratif, je pense que ce seront de longues VOD parce que si je fais ça découpé en truc d'une demi-heure, je pense pas que ça ait grand intérêt. Et puis en plus même j'ai l'impression que voilà, de faire pareil 90 vidéos de Hollow Knight, ça sera un peu compliqué. Et vu que c'est un jeu 2D et pas extrêmement vif au niveau des effets, le poids des VOD devrait pas être non plus trop vénère à traiter pour YouTube. Bref, tous ces arguments qui font que, eh bien nous allons pouvoir donc attaquer ça dignement aujourd'hui. Et j'espère que ce sera bien. Je vous le dis, j'espère que ce sera bien. On m'a tellement hypé, on m'a tellement dit, mais tu verras, tu vas adorer tout, que là, je vous cache pas que j'ai un petit peu des attentes. Alors, je rappelle bien sûr que là, c'est un petit peu mon cadeau de Noël à moi, parce que je peux enfin découvrir ça, mais vous aurez aussi un cadeau de Noël pour vous, puisqu'en parallèle, peut-être, on va voir, je vais pouvoir attaquer Silent Hill 3 également, que vous aurez également sur la chaîne. Peut-être que vous avez déjà eu au moment où cette VOD est disponible, puisque je vais attendre avant de la publier un petit peu, je pense. Que l'on est donc un peu avancé dans tout ce qui concerne les autres let's play de la chaîne. Et là vous avez l'impression que je suis dans le vague. C'est parce qu'en fait j'ai un peu peur d'un truc, c'est que les contrastes soient trop forts. Voilà, j'ajuste pour vous. Le confort des yeux c'est le plus important. Merci à Belga qui s'abonne à la chaîne. Et donc on va pouvoir lancer l'aventure. Donc un très très gros jeu, jeu légendaire, jeu fantastique, jeu tout ce que tu veux. Jeu qu'on va faire donc dès maintenant en français. Nouvelle partie, c'est ici. Et je crois qu'il y a quelques petits défis à faire au passage, puisque évidemment, en chasseur de trophées oblige, on y reviendra. Attention. Nous prononçons votre nom avec regret et fierté. Nos instincts primaires vous avez su dompter. Nos âmes sauvages ont été rachetées. Un monde offert dont nous pouvions seulement rêver. Extrait de l'élégie d'Alonest par l'érudite Monomone. Et merci à Predator qui s'abonne à la chaîne également. Oh, c'est beau. Alors j'avais déjà lancé le jeu par le passé sur PS4 et j'avais oublié qu'il y avait la petite intro comme ça, mais c'est très très classe, hein, ça marche super bien. L'univers du jeu de toute façon c'est un de ses gros points forts, hein. Clairement il y a un gros taf qui est fait là-dessus et c'est un jeu effectivement dans lequel on se perd un petit peu, dans lequel je vais certainement me perdre, un jeu dans lequel vous allez peut-être rager vous qui verrez ça donc en rediff ou en live, mais bon je vais essayer de respecter le jeu tout comme je vous respecte et puis tout va bien se passer. Ah oui c'est vrai que les feedbacks sont très très bons, donc avancer, taper, explorer, récupérer des unités. Et le but c'est surtout de ne pas mourir. Parce qu'il y a un trophée. Si tu meurs, tu recommences tout le jeu depuis le début. Assez perturbant. Je vous cache pas que ça me fait un peu peur. Allez, on examine. Être supérieur, ces mots sont pour vous seul. Votre grande force vous marque parmi nous. Canalisez votre âme et vous accomplirez des exploits que d'autres ne peuvent que rêver. Alors avec B, tu régénères l'âme en frappant les ennemis. Je crois même que je vous avais partagé un petit bout de la partie que j'avais fait. C'était il y a un petit moment déjà, c'était à la Paris Games Week il y a 2 ans, où j'étais en plein dans le jeu et il m'était tombé des mains, donc je vais retenter.
Donc là par exemple je peux canaliser et voilà. Et donc je regagne 5, donc j'ai 5 PV. Alors on peut aussi taper en haut comme ceci. Et là, quelques unités également à récupérer. C'est moi, je me suis pris un coup. Je sais pas ce qu'il m'a tapé. J'ai pas vu. Alors il n'y a pas d'attaque chargée. Peut-être qu'il y en aura plus tard après, je ne sais pas. Oh, il est tellement classe le personnage. Je sais pas si vous avez vu, il y a... Sur mon Twitter, je vous partage régulièrement des demakes de... Ah d'accord, c'est ça qui est tombé. Des demakes de Game Boy. Et donc c'est-à-dire des gens qui refont des mock-ups de jeux que vous connaissez, mais en version Game Boy. Et il y en a un sur Hollow Knight qui est dinguissime, où vraiment le gars il a fait un taf de ouf quoi. Vraiment, c'est trop trop beau. Alors je ne sais pas ce que c'est. Ah d'accord, c'est les cœurs bleus de Isaac. Pas d'embrouille. On me dit tu vas tellement mourir. Ah bah je ne sais pas, on va voir. Après honnêtement les 2D, les jeux 2D, action 2D, ça va. Généralement j'ai moins de mal que sur d'autres styles de jeu. On va dire que bon, je suis pas excellentissime joueur, mais disons qu'il y a des genres sur lesquels j'ai moins de mal que d'autres. Et vraiment clairement le action plateforme 2D, c'est ma cam quoi. Je vais peut-être regarder ses paroles un jour mais... Ouais, Wifruit, j'avais pas vu. Merci Kolotenji. Putain Wifruit, merci beaucoup. Merci beaucoup. Putain, je suis désolé, j'ai même pas vu ton message. Non mais quelle embrouille. Le backseat. Attends, je vais répondre à Jean-Jean qui demande un truc sur le backseat. Ouais, bon, je pense que ce sera moins craignos que sur les Souls quand même, ce genre de backseat sur ce jeu-là. Être supérieur, ces mots sont pour vous seul. Merci, Wifruit. Au-delà de cet endroit, vous rentrez dans la terre du roi et du créateur. Je suis désolé, je suis concentré. Franchissez ce seuil et respectez nos lois. Soyez témoins de la dernière et unique civilisation, le royaume éternel. Allo Nest. Encore merci pour tout, Wifruit. Vraiment, c'est trop trop cool. Et vous pouvez tous le ou la remercier. Vraiment. Très très cool. Très très cool. Merci pour ton soutien. Allez, on y va. Et boum. Mais ouais, Hollow Knight, c'est le jeu du fanservice aussi, hein, parce qu'il y a quand même... Attends, si je saute là, je tombe et je meurs ou pas? J'ai l'impression que oui. Non, à mon avis, faut pas y aller, là. Non, parce que j'essaye de faire le jeu sans mourir, hein, on dirait que je fais le con, mais je veux vraiment pas crever. Là, vous avez le droit de me spoiler. Pas de dégâts de chute, très bien. Allez, boum. On y va. Ça sent le premier... Je me rappelle plus du tout, honnêtement, c'était il y a longtemps quand je l'ai fait, donc ouais. Et le jeu m'était tombé des mains parce qu'en fait... Putain, qu'est-ce que c'est beau, ces FX, là. Il y a eu un passage où vraiment ça m'avait saoulé d'être perdu. Mais bon, là je me dis qu'au pire, si jamais je suis vraiment paumé, vous serez là quoi. Ah merde! Il y a peut-être des trucs que j'ai pas validés et je vais louper le 100% à cause de ça. Bien le bonjour, voyageur. J'ai bien peur qu'il ne reste plus que moi pour t'accueillir. Notre ville est devenue très silencieuse au fil des temps. Tous les autres résidents ont disparu un par un. Ils sont descendus dans les puits pour rejoindre les cavernes plus bas. Autrefois, il existait un grand royaume sous notre ville. Il est tombé en ruine il y a bien longtemps, mais il attire toujours tout un tas de monde dans les profondeurs. Et richesse, gloire, illumination, ces ténèbres semblent tout promettre. Fais bien attention à toi, l'air en bas est malsain. Les créatures deviennent folles et les voyageurs sont privés de leurs souvenirs. Peut-être que les rêves ne sont pas de si bonnes choses après tout. Ok, donc là c'est le repos. Pour toutes nos fournitures de cartographie, nous serons bientôt ouverts. Iselda et Cornifer. Ah mais d'accord, le jeu sans mourir, c'est un mode qui se libère après. Ah donc faut de toute façon le retaper plus tard, d'accord, ok. Bon, comme ça, ça règle la question. Alors est-ce qu'il y a une course? Je m'en rappelle plus. Peut-être plus tard du coup. Ah. Ah mais non, ça c'est... Non, c'est pas grave. Ah oui, je me rappelle ça, je l'avais eu la clé là. Il me semble, ça me parle. Bon, on verra bien. On va voir. Ok. Les routes oubliées. Est-ce que tout le monde sur le chat valide le style visuel du jeu? Parce que... Alors oui, pour les gens qui regardent ça en VOD, soyez prévenus, là on en a pour au moins 40 VOD. Mais ouais, du coup, le style visuel, je sais qu'il est pas apprécié de tout le monde. Moi je trouve ça très très beau, mais il y a des gens qui détestent.
Ouais, ça va, vous aimez bien, ok. Comment on peut détester ? Bah parce qu'en fait le style visuel est intéressant dans le sens où il est un peu mixé, vu premier plan très net et vu arrière plan flou, mais en même temps de la 2D extrêmement propre avec des contours très marqués, et tout le monde n'aime pas les contours très marqués comme ça. Hein. Certains associent ça un petit peu au... Alors, à prendre avec de gros guillemets parce qu'évidemment des très très bons jeux comme ça, mais au jeu Flash. Alors là il y avait effectivement quelque chose à faire avec Bobby. Qu'est-ce que t'as Bobby ? Juste tu pleures mais je peux pas savoir pourquoi. Petite pensée pour la personne qui a fait le doublage. Et d'avoir une personne sur des... Ah coucou Crane, une personne sur 10 000 qui n'aime pas. Bah le truc c'est qu'aujourd'hui, c'est comme Dark Souls, c'est comme Dark Souls. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en fait, Hollow Knight est connu. Donc tout le monde sait que tu peux pas dire publiquement, moi je trouve ça moche. C'est con, hein, mais il y a l'entraînement de la foule. Mais au moment où il était au tout début de son financement et tout, je peux vous assurer qu'il y a des gens qui crachaient dessus. Hein. Il y en avait quand même. Pour l'avoir suivi d'un petit peu près. Même si j'ai pas fait le jeu quand il est sorti, en tout cas, je peux vous assurer que ouais, le Kickstarter, c'était pas autant ça. Quoi. D'ailleurs, pour la petite anecdote, merci Floya, merci beaucoup. Et encore merci Bifluid, vraiment. Merci Aeon également. Faudrait qu'on se trouve un bruitage de Hollow Knight qui serait cool pour les... Pour les alertes. Je sais pas si je peux en trouver un. Si vous en avez un conseillé, celle d'elle éventuellement serait trop top. Et ouais, ce que je voulais vous dire, c'était que justement, donc le jeu est fait sur Unity. Mais il y a un truc assez marrant, c'est qu'il est pas. Il n'y a pas de code en fait écrit à la main a priori. C'est un jeu qui était fait via un plugin quasiment intégralement qui s'appelle, je crois, Playmaker, un truc comme ça. Et c'est assez dingue justement de devoir le rendu. J'aime beaucoup l'idée. Miel, bonjour. Êtes-vous venu pour explorer ces magnifiques vieilles ruines ? Ne faites pas attention à moi, j'aime explorer aussi. Se perdre et retrouver son chemin est un plaisir comme aucun autre. Nous sommes extrêmement chanceux, vous et moi. Je suis cartographe de profession et en ce moment je cartographie cette région. Voulez-vous acheter un exemplaire du travail que j'ai fait jusqu'à présent ? Oui. C'est moi, j'ai eu la chance de ouf et je tombais directement où il fallait. Oui, c'est bien ça. Ok, très bien, ouais. Donc ouais, voilà, c'est un plugin Playmaker, donc si jamais vous avez Unity et vous voulez faire Hollow Knight, bah voilà, c'est faisable, hein. Il y a beaucoup de taf et beaucoup de temps, mais c'est faisable, hein. À savoir que la plupart des doublages est issu de la famille des devs et même des backers. Ah, nice. Non mais le projet est trop chouette, hein. Et le jeu a été complètement décodé en C++ pour la sortie sur Switch et bénéficier de toutes les versions. D'accord, ah, intéressant. Une carte peut être une chose utile, mais elle peut... Mais elle ne peut pas elle seule vous montrer où vous êtes. Vous n'avez pas le sens de l'orientation. Je vous suggère d'acheter une boussole à ma femme. Elle vient tout juste d'ouvrir notre nouvelle boutique à Dearthmouth. Dearthmouth, bah bref. Avec toutes sortes de choses utiles pour des explorateurs comme vous. Elle vend même de temps en temps certaines de mes anciennes cartes. Je reviens toujours la voir après avoir fini de cartographier une région. Elle est toujours si excitée de me voir. Ah, donc c'est-à-dire que là, elle est rentrée, en fait. Oui, recodée en C++, pardon, oui. J'ai lu le truc, mais qui était... Oui. Ah, attention, elle est épique. Alors du coup je lis un message de Seldel qui dit n'écoute pas trop ce qu'il y a sur le chat parce que de toute façon le jeu est surcoté, moi-même je le déteste, mais bon, on verra bien si tu aimes, peut-être que tu lâcheras au bout de 2 heures. Bon on verra Seldel, je sais pas. Merci bébé Doc, merci beaucoup. Oula, ça a l'air compliqué là. Alors... Oula. Bonjour. Serait-ce un sac à PV? Oh là! Oh le fourbe! Alors bien sûr vous allez me dire mais sers-toi de la carte. Mais moi je vous dirais quelle carte? On fait tout à l'œil, bien sûr. Mémoire visuelle impeccable, je sais exactement où je suis. Je suis en bas de la map. Voilà, bravo. Je vois que mon trigger a fonctionné, c'est parfait. Finalement mes triggers c'est un peu comme la SMR. Hein. Attends, je suis sûr qu'il y a un truc à faire. Ah oui, je suis sûr. Attends. Je suis sûr que ce jeu c'est un jeu du skill. Pour qu'il soit respecté comme ça. Connard. On l'a refait. Ne vous inquiétez pas, je maîtrise. Putain, le petit effet de fou du mouvement là. Voilà, c'est tout. Finalement c'est un peu comme DuckTales. Qui lui-même est un peu comme Shovel Knight. Ah
Ah, ça marche sur tout. Ah, trop bien. Attends, je vois un panneau. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Tu vas faire éclater. Oh là, calme-toi. Aïe! Oh, ça fait mal. Facile. C'est tout ce que tu as en réserve. Attention, ça tire. Facile. Où sont les autres? Ah, tranquille. Allez, 1 et 2. Alors là, j'aurais bien un jour un double saut. Alors, il y a les strats speedrun, hein, je sais pas si vous les connaissez. Faire ça comme ça. Non, j'ai rien dit, ça sert à rien du tout. Bon, ce qui est sûr, c'est que là, j'y crois pas encore. On va aller plutôt le. Merde. On va aller par là. Il y a de la lumière, donc forcément je rentre. Ah, je le savais. Ah, un petit banc. C'est la safe, ça. D'accord. La musique du jeu est absolument somptueuse. Je suis tellement content d'y rejouer. Je vais pas vous mentir, je suis trop content d'y rejouer. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est... Oui, c'est mon petit cadeau de Noël, en vrai. Parce que je voulais faire un jeu de la légende. En fait, là, en ce moment, je vis un peu les meilleurs moments. C'est-à-dire que... Je fais tous ces jeux à côté desquels je suis passé. Donc on a fait Bloodborne, on va faire Dark Souls, c'est assez ouf. Et celui-là, donc vraiment, j'avais apprécié quand je l'avais commencé. Mais, bon, même si j'en ai peu de souvenirs. L'exploration m'avait un peu saoulé, mais surtout, je sais que j'étais dans une période vraiment, vraiment, vraiment de stress de ouf. Et le jeu était trop oppressant pour ça, en fait. Et là vu que ça va mieux, du coup, je me sens beaucoup plus à même d'en profiter bien, en fait. Alors, il y a les points d'XP, mais... Ouais, non, en fait, c'est l'argent. D'accord. Bon. On joue tranquille, hein, je précise. Là, le but, c'est pas de rusher. Est-ce que j'ai déjà joué Subnautica? Alors, justement, Yokpo, on a failli faire Subnautica à la place de ce jeu-là. Ah, attention. Là, il y a un pattern à comprendre. Mais, du coup, Seldel m'a dit que... Que vraiment, enfin, voilà, ça vaut aucun intérêt. Du coup, je l'ai pas fait. Mais... Non, en vrai... J'ai arrêté d'enlever Seldel. Du coup, non, je vais le faire, hein, c'est sûr, mais c'est juste qu'en fait, on l'a lancé sur Xbox One X, mais la version PC est tellement plus belle que du coup, je me suis dit, bon, on le fera sur PC plus tard. Et blague à part, si vous êtes impatient, parce que vous dites Hollow Knight, Atto, il y joue comme une merde, il met sa vie, ça va pas. Zelda l'a fait tout le jeu sur sa chaîne, avec les DLC en plus, je crois. Et il y joue bien, et donc n'hésitez pas à checker ça. Si vous êtes dans la patience de découvrir la suite du jeu. Ah, attends. J'explore tranquillement, hein, On va y aller bien, mais... Je vais quand même essayer de pas manquer trop de trucs. Ça, c'est l'air dur. La première mort, c'est dans pas longtemps. D'accord. Alors, on y va. Ouais, je sais que Subnautica est vraiment bien, mais chaque chose en son temps. Dites-vous qu'un jour je vais attaquer The Witcher 3. Et là, ce sera un grand moment, c'est pareil, hein. En termes de petits jeux qui prend pas trop d'heures, on est bien. Mais The Witcher 3, j'ai vraiment trop envie. Mais le problème de The Witcher 3, c'est que j'aurai pas le temps de le faire avant Cyberpunk, je pense. Alors, on va se reposer ici. Une machine avec le symbole inséré. Oui. Bon, ça va, on est assez riche pour le moment. Là, c'est trop beau. J'aime trop ces bestioles. Vraiment, je trouve ça trop classe.
Salutations, petit être. Cela fait une éternité depuis la dernière fois que j'ai entendu la sonnerie de cette cloche. Elle a retenti jusqu'au fin fond des tunnels de coléoptères pour me faire venir jusqu'à vous. Je suis vieux et fatigué. Il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées, mais le son de cette cloche me fera toujours revenir. Ces tunnels de coléoptères s'étendent jusqu'au cœur d'Alonest. Si vous souhaitez les emprunter, aidez-moi de la plateforme. Je vous emmènerai là où vous voulez aller. Ah merde. Ah si, je peux revenir à la base. On y va. Merci bébé Doc, merci beaucoup. Ça va, le son du jeu est pas trop fort? Vous me dites hein, si jamais. Ok. Donc là on est bien. C'était pas ici qu'il y avait la boutique? Ah non, c'était là, voilà. Alors, boutique. Vous êtes venu acheter une carte, n'est-ce pas? Normalement, c'est avec mon mari que vous devriez traiter, mais quelle surprise, il est encore dans les ruines. Il revient de temps en temps pour me donner de nouvelles cartes à vendre, mais je voudrais pas qu'il passe plus de temps ici. Non, je voudrais qu'il passe, pardon, plus de temps ici. Tenir une boutique ne m'intéresse pas beaucoup. Vous devriez parfois revenir me voir avec mon mari qui est toujours en train de travailler. Nous aurons de nouvelles cartes en stock de temps à autre. Maintenant, voyons ce qu'il me reste à vendre. Alors là, c'est l'endroit où on va acheter tout plein de trucs. Alors déjà, la boussole. Vivement recommandé, utilise ce charme si tu rencontres des difficultés à trouver ton chemin dans ce labyrinthe des ruines. Il indiquera ta position sur la carte, extrêmement utile pour pouvoir te repérer dans des lieux inconnus. D'accord, la plume, tu en auras besoin si tu veux pouvoir ajouter une nouvelle région quand tu explores ta carte. Ah oui, d'accord, attention, intéressant. Épingle de banc, elles indiqueront l'emplacement des bancs, d'accord. Épingle de cocon, ça donne l'emplacement des cocons. Ensuite, épingle de marchand pour voir les marchands. D'accord, en fait, il y a tout quoi. Pour la station, pour la source chaude. Le marqueur scarabée qui sont nouveaux ajouts qu'on peut. D'accord, c'est nous qui mettons les endroits. D'accord, donc là, dans un premier temps, vu l'argent qu'on a, on va prendre la plume. Pour pouvoir écrire sur la carte. Donc là, déjà, on sait qu'il y aura des choses à choper. Le farm sera bien là. Donc je prendrai les marqueurs de banc après et la boussole éventuellement pour savoir où on est, ce qui sera je pense assez, assez utile. Bon, du coup ce qu'on va faire c'est que je vais essayer de tuer quand même quelques monstres sur mon chemin. On va arrêter les conneries. Alors, routes oubliées. Alors c'est rigolo, c'est comme Dark Souls. Non, je plaisante. Oui après c'est vrai qu'il y a Demon's Souls aussi à faire, mais je sais, il y a tellement de jeux. Je suis tellement content qu'il me reste autant de jeux à faire. Et là je sais pas pourquoi j'ai l'impression de... Vu que je fais plus trop plein de trucs sur le côté et que vraiment je suis full live, du coup j'ai vraiment le temps de faire des jeux qui des fois prennent du temps, alors qu'avant vraiment dès qu'il y avait un jeu long je me disais oh putain bah ça a pitié. Et là en fait ça va. Alors on va par ici. Qu'est-ce qu'il y a dans cette zone là? Alors évidemment je ne suis pas perdu. Ah, ma première mort c'est maintenant. Ah d'accord. J'y ai cru pourtant. Bon, arrêtez conneries. Il me fait un peu mal. Oh putain, il me fait tellement mal. D'accord, ok. Ok, ça se tente. Ok. Bon, je l'ai pas tué de la manière la plus propre, mais bon. Au moins, on l'a eu. Ah, donc là, ça témoigne d'un pouvoir qu'on aura peut-être plus tard avec les pics. Il est mort, c'est ce qui compte, ouais. Je me méfie des patterns, en fait.
Donc c'est 3 coups à chaque fois. Bon, j'imagine que plus tard je pourrais faire plus de dégâts quand même. J'espère. J'espère. Ça sent... Oh putain, c'est tellement le boss ça. Juste à explorer par là-bas. C'est immense. J'avais oublié à quel point c'était immense. Ah, ça, ça sent le boss. Ah, ça sent la merde ça. Ok, 3 coups encore une fois. Ouais, y a vraiment un petit mouvement de d'avant-arrière qui fait que... Oh putain! Ok, viens là. Fais pas ça! Ok. Bon, ça va, il est pas méchant. Ok, c'est pas fini. P2. Pourquoi ça attaque de suite comme ça aussi fort là? C'est bon. Tout va bien. Oh putain, j'ai pris tellement cher. Merde. Je suis le con. Oh, le soin, il est dur à caler. Hein. Ok. Allez, ça va le faire. S'éloigne. Allez, viens. Bon, du coup, j'oublie les soins. Ok, allez, c'est la fin. Putain, c'est pas fini. Ah, salaud. Ah ? Oui, les feedbacks sont très très bons. First try ! Blam ! Allez, ça c'est beau. Alors, blason de la ville, très bien. Alors je ne sais pas ce que c'est, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais en tout cas c'est sûr que c'est le blason de la ville. Et le coffre bien sûr. Oh les sous! Oh les sous! Ouais, alors les sous mais tromperie pour ce qui... Attends, attends, il y a un truc à faire là-bas. Ludwig est plus dur. Ah ouais, non, ouais, clairement oui. Clairement, clairement. Bon, bien bien cool en tout cas, j'avais oublié le feeling, hein. Je vous cache pas que... Ah merde! Ah, donc faudra y revenir plus tard avec un double saut ou une course ou un truc comme ça, ouais. On verra. On voit les arts de Megaman. Bah ouais, non mais c'est ça. Mais en vrai, les sauts que je fais avec un petit coup et tu t'éloignes et tout, c'est full Megaman Zero, quoi. Ou Castlevania, enfin voilà, c'est... Je vous dis, j'ai pas de mérite, hein, c'est... J'en ai trop fait des jeux comme ça. Y a un truc à voir là-haut. On va aller voir. Oula. Ça sent l'innocent qui va se faire dégommer. En plus, je suis sûr qu'il y a des zones qui sont un peu genre zone HL et tout, où je vais me faire éclater. Ah, ça, ça me parle. C'était pas un bon moment, ça. Je sais pas pourquoi cet endroit, il me parle et c'était pas ouf. Je sais pas pourquoi, mais il y avait un truc. On va voir. Bon, carte mise à jour, c'est le principal. Non, mais non, non, mais non. Oh, 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 qu'est-ce qui sort de l'obscurité comme ça? Eh bien,
Tu n'inspires vraiment pas confiance avec ton étrange visage vide et ton arme à l'apparence redoutable? Quelque chose d'important a dû t'attirer dans les entrailles d'Alonest, mais je ne poserai pas de questions à ce sujet. Peut-être que la raison pour laquelle tu as réussi à me trouver et que tu as besoin de mon aide, ne dis pas plus, mon ami. Je vais te donner un cadeau, un vilain petit sort de ma propre création. Cela sera tout simplement parfait pour un petit être comme toi. Et là... Ah! Esprit vengeur. Alors les sommes consument l'âme. D'accord. Donc c'est un Hadouken en fait quoi. Mais qui va utiliser... Enfin Hadouken pardon. C'est ça. Ok. Oh les feedbacks, mon dieu. Cette science du feedback absolument parfaite, c'est assez violent. C'est rigolo le fait de sacrifier... Bon game design ça. Le fait d'avoir sa santé qu'on peut sacrifier pour se soigner... Enfin, son aura pardon, son mana, bref. Qu'on peut utiliser pour soi, donc se restaurer en vie. Ou alors pour attaquer. Il y a un risk and reward vraiment chouette. La zone elle est tellement belle là, mon dieu. Mazette. On va soigner quand même un petit peu. J'ai eu peur que je t'aime. Parce que mourir bêtement comme ça, je serais dégoûté. Alors pareil, il y a un truc qui est marrant, vous voyez là, quand je me pose sur un rocher et que du coup il y a des petits trucs de fumée et tout, c'est des détails, mais ça fait son truc quoi. Ça fait son petit effet, vraiment. Alors attends, calme-toi, parce que là, donc ça c'est la suite, on est bien d'accord. Mais ça... Ah, d'accord. Ça, c'est le moment que je vais pas aimer. Ah, j'avais plus de mana. Plus de mana. Bon, faut que j'arrête de faire n'importe quoi contre ceux-là. Ils sont pas durs en plus, hein, y'a rien à faire. Il y a un truc là-haut. Mais je ne peux pas y aller. Donc on verra ça plus tard. Ah. Fourbe. Heureusement que le mana se charge aussi vite quand même. Allez, petit cœur bleu qui va peut-être aider pour la suite. On va voir. Ah ouais, c'est généreux ça. Ah. OK. Donc là c'est le jeu qui t'apprend que quand t'as des ennemis comme ça, tu pourras... Avant ils te bloquaient, maintenant tu peux les avoir. Équiper un charme pour activer de puissants attributs. Pour équiper un charme, aller dans le menu des charges pendant qu'on se repose sur un banc, d'accord. Ah! Petit succès bien sûr. Ouh, tu vois là, je veillais sur toi pendant que tu dormais, mais je me suis endormi aussi. Et quand je me suis réveillé, tu avais disparu, tu es plein de surprises. En fait, je voulais te demander une petite faveur. Il existe une certaine créature rôdant juste au-dessous de nous, au cœur de ce temple. Eh bien, en voilà une autre surprise. Tu as tué cette créature avant même que je te le demande. Je ne mérite guère un ami comme toi. Tu es vraiment incroyable. Oh, regarde ça, la porte entre nous est ouverte. Je suis sûr que tu as hâte de poursuivre ton chemin. Adieu et confiance, peu importe ce que tu cherches, ça te trouvera. Rassurant. Alors le charme, c'est parti. Attends, valide le ça.
Charme, c'est maintenant. Alors, une charge d'âme utilisée par les chamans, machin, puiser davantage d'âmes du monde qui les entoure, augmente la quantité d'âmes régénérées en attaquant Ab. Oula, c'est très bien ça. Extrêmement puissant. Tu comptes pas utiliser le jeu? Bah, j'aimerais bien, ouais, Silverclear, j'aimerais bien. On verra bien, ouais. Qui sur le live l'a terminé et qui le découvre? Je suis curieux. Terminé, 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 fini au max, terminé. Ah ouais, beaucoup de gens qui l'ont terminé déjà. Bon, j'espère que ça vous saoule pas de le redécouvrir du coup. Je découvre quand même. Ah, quelques-uns qui découvrent. Fini à... Oula, les gens qui l'ont terminé, vénère. Désolé de vous avoir manqué. Si vous êtes perdu, si vous vous êtes perdu, pourquoi ne pas venir dans notre magasin à Dearthmouth pour acheter une carte de cette région, disponible maintenant à un très bon prix, Cornifère. D'accord. Ah, tout le monde l'a déjà fait quasiment. C'est trop bien. Du coup, vous allez pouvoir vous moquer et voir comment je m'en sors. Alors attends, parce que là, du coup, depuis tout à l'heure, je fais 100 cartes. Il y a un moment, faut quand même que je regarde un peu où je vais. Ah! Ok. Ouais. Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. Donc je suis là. Ok. Bonjour, Metroid. T'as le feedback de quand tu te prends un coup, t'as l'impression que t'as raté ta vie quoi, c'est bon le pouf. C'est la violence. Oui, j'ai assez pour acheter la boussole effectivement, ouais. Mais bon, on est à la cool, on est à la cool, on verra bien. De toute façon, j'ai bien un moment où je vais crever donc. Après, ça se trouve, je perds tout quand je meurs, ça faudra quand même que je vérifie au bout d'un moment. Faudra qu'on fasse gaffe. Ah, là-haut. Ah mince, attends. J'arrive. T'inquiète pas, je maîtrise. Tant pis. J'aurais essayé. Ah putain, mais vous avez les emotes Hollow Knight quoi, j'en reviens pas. Ah, c'est vrai qu'à chaque fois on a un jeu, une emote, faudrait qu'on pense à celle qu'on ferait pour le night. Ok. Allez, ça passe. Excusez-moi, j'ai stressé. Bon, après, je peux me permettre, a priori, de stresser. Parce que ça a l'air assez gratuit, pour le moment, en tout cas. Ah! Encore une zone infinie. Ah putain, je peux pas le faire en l'air! Ah oui, info pertinente, quand même, il était le temps de le dire. Bon, mais d'avis qu'il y a un truc ici quand même. Ah, je peux farmer. Ah bah voilà, c'est bon. Bon, 3 par 3, ça va pas être ouf non plus, hein. Pour arriver à 200, c'est long. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord. Ça c'est plus tard. On revient par là. Je peux en l'air, mais je peux pas le faire vers le haut, c'est ça que je voulais dire. Bon alors là, c'est une évidence, faut aller là. Que je suis déjà allé là. Non. Ah oui, je me rappelle de ça. J'ai jamais compris ce qu'il fallait faire ici. Oh, enterre le chevalier avec son aiguillon brisé, enterre le prêtre, quelque chose au sujet d'une couronne, je n'arrive pas à me souvenir du reste des paroles. Je vais juste la fredonner alors. Oh, rebonjour, tu cours toujours? Pourquoi tu ne me rejoins pas ici? Et il y a beaucoup de richesses dans ces roches pour ceux qui sont prêts à se mettre au travail. Des cristaux là valent beaucoup le géo, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de bien plus précieux caché un peu plus profondément. Je peux presque en sentir l'odeur. Tu peux te joindre à moi si tu veux, il y en a assez pour nous deux. Mais si tu n'as pas envie de creuser, tu peux juste t'asseoir et chanter avec moi. Okay. Ah merde, j'aurais dû aller à la suite, excusez-moi, il y a le second couplet.
Tu es surpris? Je me suis souvenu de ce grand couplet. J'ai beaucoup de temps pour réfléchir pendant que je travaillais ici. Et voilà, peut-être que je pourrais même inventer quelque chose, quelque chanson à moi. Ah. Elle en a l'air de sub. Ah, j'avoue, faudrait trouver le son. Pourquoi pas, ouais. Ah, mercredi. C'est vrai que sa voix est toute mignonne, ouais. Attendez, ça, dans Bloodborne, c'est bon, j'ai appris. Hein. Ah. Ne gâchons pas. Alors ça on peut le péter mais on peut rien en faire. Ah. Non. Bon, y'a rien. C'est pas grave. On reviendra plus tard. Bon, jeu est tout chou en tout cas, hein, vraiment. J'avais oublié. Allez, on va partir par ici. Normalement, ça, je l'ai pas déjà vu. À moins que j'ai mauvaise mémoire, ce qui est possible aussi. Ah! Ah! Ok. J'ai tellement séché. Salut! Il y en a beaucoup des comme ça dans tout le jeu, c'est juste pour le plaisir. Alors, on va voir ici. Oui, plein. Ah, d'accord. D'où l'emote de MV, donc. Je comprends mieux. Bon, là, ça a l'air un peu compliqué. Ah. C'est vrai qu'il y a un putain de plaisir de jeu, manette en main, c'est un truc de ouf. Regarde ta carte. Bah, ma carte me dit pas grand-chose, là, vu que je peux pas écrire. Ma carte me dit qu'on n'est pas trop mal placé, ceci dit. Attends, excusez-moi. Voilà, c'était ça. Bon, j'en sais pas rien du tout. Ok, alors. Où allons-nous? J'ignore de le savoir. Le temple de l'œuf noir. Alors, c'est extrêmement joli. Mais a priori, c'est pas pour me... C'est pas pour tout de suite, ouais. Alors, temple de l'œuf noir, donc on est en haut. Donc là, il fallait aller en bas. En bas, je suis pas allé, mais je pouvais pas y aller. Et en bas, à gauche, je suis pas allé non plus. Par contre, on peut revenir ici. Ah, attendez, ça c'est intéressant. Je vais acheter des trucs, là. Ouais, ou alors, est-ce que... Allez. On est entre nous. La carte, à quoi ça sert, après tout? C'est secondaire, c'est secondaire. Tant que je sais où je suis, c'est bon. Ah mais là par contre, je vais avoir un petit souci de... De frapper un peu trop, tout le temps. Désolé d'avance. Donc là, c'est ici. Où là, il y a un dôme. Je vérifie, hein, je vérifie. Oui, il y a un dôme et donc... Mais non, c'est pas ça. Ça, c'est l'endroit où je peux pas aller. Ah merde, il m'avait... Ah, il m'a mindfuck là. Non, si, c'est ça, c'est bon, c'est ça. Ah, mais du coup, je suis déjà allé à cet endroit où j'aurais pu faire beaucoup mieux. Oh, d'accord, c'est là où je connais pas. Ah putain, la carte met pas le jeu en pause. Fourbe. Donc là. Là, normalement, nouvelle zone. Ou alors je suis perdu, je sais pas. Ou alors je viens de là. «
Je viens de là, imbécile. Pourquoi j'ai pas fait ce que je devais faire à la base? Alors attends, faut que j'arrive à repérer là. Attends, où est-ce que je suis? En fait, pour moi, j'étais en haut là. J'étais. Je peux pas vous le montrer à la souris, mais si je devais zoomer, je peux pas. Mais ouais. Donc, c'est pas ce que je pensais en fait. Conseil, achète une boussole. Ouais, j'avoue. Bon, de toute façon, là, en gros, à moins que je me sois vraiment planté, j'ai fait toutes les zones que je pouvais faire. Donc, faut aller explorer les trucs que j'ai pas déjà explorés. Donc, remonter. Ah, mais attends, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Parce que là, du coup, je suis pas allé jusqu'en haut tout à l'heure. C'était un des chemins parmi tant d'autres. Ou alors, je suis allé jusqu'en haut. Non, ça y est. Ah, oh, c'est pour vous, ça. Non, j'étais bien depuis tout à l'heure, là, et d'un coup, la merde. À moins que je sois dans une zone qui est pas écrite sur la carte parce que c'est une nouvelle zone. Et du coup, je crois qu'il y a des choses, mais en fait, je les associe à des trucs qui n'ont aucun sens. Ah, attends, 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 viens là, toi. C'est possible aussi, ouais. C'est quoi ça? Ah, c'est le début du jeu. J'avais l'impression d'être super profond dans le jeu. C'est ok. Non, mais tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. C'est... Mais c'était prévu, hein, c'était prévu. J'allais là pour acheter justement la boussole. C'était pour vous. Ah, allez, bonjour. Pas pour nada. Allez, la boussole, vas-y, fais-toi plaisir. C'est maintenant. J'ai acheté un objet, très bien. Est-ce que je peux acheter la carte? Bah attends, mais elle avait dit qu'elle avait des cartes? Bah... Je me fous de ma gueule. On est d'accord qu'elle avait dit qu'elle avait des cartes? Attends, je save. Carte mise à jour. Ah! 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 D'accord, ok, je comprends mieux. Ah oui, mais c'est ça aussi. Et la boussole qui me dit pas où je suis, mais bon, c'est pas grave. Alors, j'ai envie d'aller un peu partout, mais... Bon, ok, ok, ok. Attends, je vais repasser la bobine, hein. Je n'aurais jamais imaginé que je verrais une telle chose. La station du coléoptère est ouverte. Cet édifice était plongé dans le silence bien avant mon époque. Oh, j'ai entendu des histoires de son réseau de tunnels glorieux traversant tout le royaume. Non pas que j'ai l'intention de les utiliser. Je sais parfaitement, je suis parfaitement satisfait où je suis. Alors, on va devoir équiper la boussole, bien sûr. Ah oui, bah oui, oui, évidemment. C'est un charme. Je me trompe de bouton à chaque fois, mais tout va bien. Boum, voilà, j'ai mis le charme. Ah d'accord, qui coûte 2, qui coûte 1. Donc là, si je fais ça, en fait, maintenant... Voilà, je vois où je suis. C'est parfait, on est prêt. Bon bah écoutez, maintenant qu'on a la boussole, on a la carte, on a le jeu, on a tout et on a bien démarré. Et donc ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va pouvoir acheter encore une fois une petite chose ici. Sauf si je regrette, peut-être que je vais regretter un moment, je ne sais pas, en me disant « Ah, j'aurais peut-être pas dû, tout ça ». On peut épingler les bancs éventuellement pour le plaisir. Ou les coléoptères éventuellement, ça peut être plus pertinent. On va commencer par ça. Épingle de source chaude, non ça m'intéresse pas trop. Les bancs, ouais. Bon, j'espère que je vais pas regretter avec après un moment où il va me dire « Eh, en fait, il faut que lui fasse ça !» On verra. Et puis, appuie sur RB pour la carte, c'est plus pratique. C'est-à-dire? Non, je sais pas. Moi et RB, ça lance une attaque, donc on n'a pas les mêmes touches, je pense. Non, non, moi RB, ça fait comme B, en fait. Ah, LB, oui, par contre. D'accord, ok, très bien. Bon, bah écoutez, on va faire la petite pause ici pour les gens qui voient ça en VOD. J'espère que ça vous a plu. C'était donc le début de Hollow Knight. Jeu que, du coup, on va continuer sur la chaîne. Et puis, bah, donc, sur live, ne quittez pas, puisque je reprends dans un instant. A tout de suite!